Bonsoir à tous. Dans ce journal, la province de l'Ituri, hyper sécurisée, la population s'est réjouie de ses boucliers sécuritaires. Des images des exercices de dissuasion militaire sont à suivre dans ce journal. Dans ce journal, nous irons également au marché de la liberté, Musée Laurent Désiré Kabila, situé dans la commune de Massina, où une vaste opération d'assainissement a été lancée. Quid sur les constructions anarchiques sur place? Reportage de Jemima Diane Mogo à suivre dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. La province de l'Ituri connaît une mutation dans plusieurs domaines. La situation sécuritaire difficile semble la place à des exercices militaires ont été initiés par l'administration militaire provinciale que dirige le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama Junior. Le dispositif sécuritaire mis en place par l'administration militaire pour la défense de la ville de Bounia et ses environs, ainsi que le land du développement enregistré au chef-lieu de la province de l'Ituri, produisent une éclosion de joie dans les chefs des habitants. Ici, nous sommes concomitamment, comme des champignons. Pendant sa traditionnelle marche d'endurance physique et de reconnaissance de la ville de Bounia, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, a effectué plus de 2 heures de marche pédestre. Une autre véritable occasion de contact physique avec sa population, dont l'estime légendaire n'est pas à démontrer, c'était dans le nouveau quartier à l'extrême nord. La confiance entre l'administration militaire et la population itourienne, qu'une qui, par le maintien à la tête de la province de l'Ituri, de celui qu'ils appellent affectueusement Vienna Bissot, le lieutenant général Luboya Kanchama, l'homme du célèbre slogan « Sans état d'âme ». Au-delà des... C'est les manies de la RTNC Bounia pour les reportages. Source de conflits à répétition est à ce jour assainie. Ceci grâce à l'esprit managérial de son directeur provincial qui s'est réjoui de réaliser. Par son leadership, à étendre les activités du guichet unique de défense des permis. Et nous sommes à tel confiance à ce service public de l'État. Venez pour payer les taxes sur les permis. Et nous invitons toute la population de ne pas aller ailleurs, de venir que dans nos installations.
Bangui. Le GIPEC a été institué par décret numéro 22/21 du 24 mai 2022 portant création et fonctionnement, organisation d'un établissement public. Infrastructure Kinshasa, les quartiers Lucas et des enclaves progressivement. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, a inspecté certains ouvrages en construction. C'est dit Kenny Nambo. Promis lors de sa rentrée politique, Samuel Mbemba Kabuya, vice-ministre de la Justice, s'est rendu dans les quartiers populaires Kanluka pour visiter différents chantiers de construction. Il dit qu'il a commencé à l'entrée principale de ces quartiers. Plus ou moins 45 jours. Satisfait des explications données, Samuel Mbemba a ensuite visité le périphérique de ces quartiers populaires où des érosions menacent des ménages. Face aux doléances des habitants du quartier 6, ici menacés par les eaux et pluies, les ingénieurs de la société Aéronce Foussarl, qui accompagnaient les vice-ministres dans cette ronde, ont promis de prolonger la canalisation déjà en cours de construction jusqu'à cette purification afin de soulager les riverains. S'en est suivi une grande procession avec une marée humaine, preuve de la popularité du vice-ministre dans ce coin de la capitale. Par ailleurs, Samuel Mbemba Kabuya avait reçu plusieurs délégations dans sa résidence, moment pendant lesquels il a demandé à ses interlocuteurs de soutenir les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sous la direction du patriarche Christophe Mosso, qui a fait preuve, selon lui, de sa loyauté envers les chefs de l'État. Restons à Kinshasa, plus précisément au marché de la Liberté situé dans la commune des Massinages, on parlait dans les titres, où les travaux d'assainissement ont été initiés, les pavillons 19 et incendiés dans les travaux de réhabilitation. Jemima Diemogbo était présente et nous propose ses reportages. La nouvelle gestion du marché les denrées, les marchandises et les objets. L'administrateur principal, Pélin Bofini Betouné, poursuit son engagement ce lundi, celui d'assainir complètement ce lieu de négoce. Bajan et la sécurité, nous allons la saisir de l'angle de la place mien sur vos sotezanis parce que vos sotezanis malades. Aoua, tes amis, vous. On garde ça, on fait ça pour remplir sa nouvelle terre. Il faut que le monde soit déformé. Il faut que ça soit déformé. Il faut que ça soit parce que l'agent commercial, monsieur, sur la 20 place, il y a un vanda. Pour ça, la salle, dans la sécurité, il y a un bilan moto. Pavillon 20 et 21 qui récemment était l'objet d'un incendie mystérieux. J'espère que mon monite sera le long qui pavillon 20 au moins pour réhabiliter en gros de la moussouana pour embellir en gros pour inaugurer en gros et ça pendant le coup mon ambition et à marché. Notons que le marché de la liberté est situé dans la commune patriotique de Massina dans le district de la Tchangou vers l'aéroport international de Ndjili. Il compte plus de 4000 tables et accueille jour venant de tous bords. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire Peter Chirimwani a effectué une visite d'inspection dans différents chantiers. Modernisation des infrastructures. Réalité du côté où la pose de l'asphalte sur la rue Otomopenda est en cours. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwani, a effectué des centres. Mais également, il s'est agi pour l'autorité provinciale de la qualité de ces travaux financés par les gouvernements provinciaux du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwani réitère sa volonté de
courage, selon la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes sur la route Avenue Motomopola. C'est un chantier qui est de notre qui est en train de travailler. Nous sommes à la phase de l'asphaltage de cette avenue. C'est un tronçon de 600 mètres. C'est que nous savons que le commandant suprême est en train de faire beaucoup d'efforts pour que l'ennemi rentre de là où il est venu. Mais en même temps, nous devons continuer à faire la modernisation parce que les deux chantiers marchent ensemble, la sécurisation et la modernisation. À noter que la journée de la population qui remercie le gouverneur du Nord Kivu pour cette énième réalisation en ville de Goma. Maintenant que la route est arrangée, on voit déjà asphalté et nous voit un grand plaisir de voir le gouverneur militaire qui est venu sur le terrain. À part ces chantiers que nous voyons ici, nous voyons dans la ville, nous sommes très très satisfaits. Et rappelons que 600 mètres de longueur sont concernés par cet asphaltage de la rue Motomopenda en cette première phase. Et de l'autre côté, dans la province du Haut-Katanga, quelques chantiers ont été visités par les autorités politico-administratives. Pas de temps à perdre pour Paul Kweta Mumba. Aussitôt entré en fonction, le nouveau ministre provincial des infrastructures du Haut-Katanga a commencé à dresser l'état des lieux des chantiers routiers en province. Première étape à Lubumbashi, la route Kasapa prolongée. Ici, la couche de roulement est déjà posée sur 1,5 km les trois. La chaussée de 7 mètres de largeur est encadrée en construction sur la jonction avec la route de contournement pour de là, Jean-Paul Kotamumba sera sur l'avenue Biaï prolongée. Sous les explications du directeur provincial de l'office de voirie et drainage, le nouveau ministre des infrastructures en sait plus sur l'avancement du chantier. C'est par la route Kafoubou, dans la commune annexe, que le ministre provincial des infrastructures a bouclé sa ronde. Ici, la couche de fondation est déjà posée sur plus ou moins 100 bois. Bientôt, l'asphaltage va commencer, le temps de régler quelques détails techniques à la hauteur du lycée Kwesu et de l'AVC du CES de Sakanya Kipushi. De l'évolution des travaux. Et donc la visite d'aujourd'hui, il était question de faire l'état des lieux. Nous avons été sur trois sites. Le premier était sur Kasapa, où on sont en cours. Il y a un kilomètre qui a déjà été asphalté. Et sur Ongé, il y a sur 6,2 km, il y a 500 mètres qui est déjà asphalté. Et les travaux sont aussi en cours. Et après cela, nous sommes venus sur la route Kafoubou. Et nous avons aussi constaté qu'il y a les travaux de fondation, dont je crois 6 km sont déjà presque finis. Comme on le voit, le gouvernement Tshabula met les bouchées doubles pour boucler tout le côté en cours avant la prochaine saison de pluie. Dans la province de l'Omami, les travaux d'entretien de la route nationale numéro 2 ont été lancés. C'est là, on image les commentaires. La cérémonie de lancement officiel s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée provinciale, Patrick Tilolongoyi, des députés provinciaux, de la délégation du conseil d'administration et de la directrice générale adjointe de l'accueil. Contrôle BTC et dureront 4 mois hors intempérie. Les généraux en outre que le coût global du projet est de 889 640,40 $ américains sur l'office de route a bénéficié d'un acompte de 50%. La durée de ces travaux est estimée à pour le Fonds national d'entretien. Du coût du projet pour le démarrage des travaux. La première pierre marquant les débuts effectifs des travaux, le gouverneur Iron Van Kalomou
Tshisekedi de Tshilombo fait du désenclavement des provinces de la RDC sa priorité. En outre, le patron de l'exécutif provincial a appelé la population à la vigilance et à l'accompagnement de l'équipe qui va exécuter ses travaux. À la vigilance de chacun, nous appelons à réaliser les travaux parce que, comme nous l'avons dit, c'est vous, la population, qui êtes les bénéficiaires de ces ouvrages. L'hôpital général. Jean Bakomi Gambo lors de la visite d'inspection effectuée dans les installations de cette formation médicale. Un reportage de notre confrère Damas et Solé Kessoli Kaya. Du sirop ne vaut à ce jour qu'un mouroir. À l'heure où le chef de l'État prône la couverture et santé universelle avec tous ses corollaires et à dans cette infrastructure sanitaire et pour toute ta vocation provinciale, c'est dans ce décor soucié de garantir la population des bonnes conditions de la communauté. Cette infrastructure des années 1930, il promet. Il voit dans quelles conditions les malades sont pris en charge ici et les personnels de santé travaillent. Les conditions sont difficiles, nous allons devoir chercher des solutions qui s'imposent, réhabiliter les infrastructures, équiper l'hôpital, voir la question du personnel. Ouf de soulagement. Et nous lui avons expliqué tout ce qu'on été remis aux autorités par la coordination provinciale de la cellule de suivi des projets et des programmes CSPP. Dans la province du Soubangui, les réalisations de la cellule de suivi des projets et des programmes ne se sont pas limitées seulement au territoire de Libengue. L'école avec bureau de la latrine ainsi que les bureaux des comités locaux de développement ont été construits et équipés dans le respect des normes avec le même financement de la Banque mondiale dans le groupement des cérémonies présidées par l'administrateur du territoire en présence des autorités locales de l'EPT. L'équipe d'ingénieurs de cette structure appelée le contexte dans lequel ces ouvrages ont été construits m'appelait à un usage membre de la Paris des Loges au président public chef de l'État qui, par ses ouvrages, vient de mettre fin au calvaire des parents qui n'ont jamais vu une école construite en matériaux durables. Prenons la parole à son tour, l'administrateur du territoire de Guémena, et le gouvernement de la République pour ses œuvres utiles en faveur des enfants dont les conditions d'apprentissage viennent d'être considérablement améliorées. Le programme d'accès aux services d'eau vient d'être officiellement lancé dans la province du Kassai oriental. Autorité provinciale du représentant de la Banque mondiale et des membres de CACEA. Après le mot de bienvenue,
des opérations de Parcea, Marcel Wambé, présentant les coordonnateurs à ces assises, a confirmé que ce programme bénéficie de l'appui de la Banque mondiale en eau potable et assainissement dans certaines provinces de la qui doivent avoir accès à l'eau et 500 000 à l'assainissement. Il y a aussi les renforcements des capacités leur mission pour avoir des services de qualité au bénéfice de la population. Patrice Ndolo, spécialiste principal en eau et assainissement à la Banque mondiale chargée du projet par CEA à la Banque mondiale, a rappelé aux bénéficiaires de ce projet de son institution mondiale. Procéder heureux d'avoir ce programme au Kasaï Oriental. Nous sommes heureux d'avoir lancé ce projet chez nous. Vous savez, les Français disent que tout ce que nous devons faire, c'est chercher avec cette denrée, soit vraiment à la portée de tout le monde, même dans le milieu rural. Dans l'entretemps, dans la qui vous, l'Institut international d'agriculture, PEJAB, l'Institut international d'agriculture tropicale ITEA, en collaboration avec Congo Service Consulting and Trade et SARL, a organisé ce jeudi 11 juillet dans la ville de depuis 2017 pour réaliser la formation technique et managériale de 306 jeunes par le jeune et la mise en place d'un plan d'information telle résidence appelée Bodega, où l'ingénieur Achouza Mourani a remercié le gouvernement congolais. J'encourage aussi le gouvernement de continuer à soutenir les jeunes entrepreneurs de notre ville. Représentant du ministère de la Santé Midoubo demande aux jeunes entrepreneurs faire tout pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, sauter sur cette opportunité. Le gouvernement congolais vers ITEA était justifié par l'expérience d'ITEA dans la mise en œuvre des projets similaires comme à Madagascar, en Côte d'Ivoire. Relativement plus créatrice. Les entreprises à ces sujets. Mboul Saïdi nous en dit un peu. Envie de garantir la santé des consommateurs quinois, les petites et moyennes entreprises ont été outillées sur les normes des certifications. Ils ont suivi toutes les étapes par lesquelles les produits transitent avant leur certification. Il s'agit notamment de l'inspection, du contrôle de la réglementation, du contrôle des processus du personnel, du contrôle des méthodes du milieu, de main des matières premières ainsi que les diagnostics du système. La direction générale a instruit quel est l'importance de faire certifier son encore certifié en RDC et comment la certification va se faire dorénavant sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Il est également question de renforcer les entrepreneurs pour professionnaliser leur secteur de compétences. On a expliqué les mamans comment transformer
beaucoup de produits qui les transforment. Et le député national Sisa Pamba. L'élu de Popokata met l'accent sur le contrôle administratif judiciaire. La contre la l'humanité. Pourquoi nous le disons? Quelle différence faites-vous entre ce type-là qui détourne la donc, ces gens-là doivent subir le même niveau de peine. Il y a eu quelques avancées avec cette loi en 2005 qui a été modifiée, mais on s'est rendu compte que dans cette modification, on n'avait pas tenu compte du fait de l'accomplissement ou de l'omission par un agent public et nous avons ajouté ou toute autre personne. Parce que d'abord, la répression concernait l'agent public. Maintenant, l'agent public ou toute autre personne qui commet ou il accomplit un acte au fin d'obtenir des avantages illicites pour lui-même ou pour un tiers. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de ses actes en tant que président de la section congolaise du réseau des parlementaires africains des luttes contre la corruption. Merci David Munga pour ces reportages. Santé à présent, la gratuité de la maternité, plus qu'un simple slogan, c'est une réalité au quotidien. Les coordonnateurs du Conseil national de la couverture santé universelle pour Bongani, je vais tour avec les staffs techniques des grands hôpitaux de Kinshasa, notamment l'hôpital général, le référent de Kinshasa et Mamayemo, pour prendre la mesure de l'effectivité et cette vision d'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le week-end dernier n'était pas de tout repos pour le coordonnateur national des couvertures universelles, la police de Mbongani Kabila, qui a été tour à tour avec les techniques des grands hôpitaux de Kinshasa, présentant quelques soucis en termes de gestion des fonds et médicaments mis à leur disposition dans le cadre de la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés. L'hôpital de référence ex-Mamayemo, où une grève imminente a été sauvée de justesse par la bienveillance du coordonnateur Mbongani, qui a su remettre les roues sur les rails en donnant des instructions fermes au staff technique, non seulement de l'hôpital de référence, mais aussi à celui de la clinique Ngalima. Au terme de ces échanges, le metteur en scène de la gratuité de la maternité a laissé tout entendre. Bon, nous avons discuté justement sur cette base. En parlant de l'aménagement de l'extraterre, il y a eu des revendications à Mamayemo. Nous avons discuté avec le parti prenant, ça veut dire l'équipe de direction ainsi que les prestataires. Et nous avons fait la même discussion à Ngaliema, bien que à Ngaliema, je dois dire déjà qu'il n'y a pas de problème là, il n'y a pas de souci, il n'y a même pas de menace de grève au niveau de Ngaliema. Mais au niveau de Mamayemo, il y avait cette menace. Grève qui était là, mais nous avons éclairci les choses. D'abord, nous avons établi la responsabilité en disant que le Fonds de solidarité santé, qui est un établissement de mise en œuvre de la politique santé universelle, a payé tous les fonds qui étaient dus à l'hôpital Mamayemo. Il y a donc un problème interne et nous avons demandé aux différentes parties prenantes de se mettre autour d'une table sous la direction de l'État général et de l'inspection générale de santé afin de trouver des solutions. Signalons que ces échanges sont bien importants pour l'acheminement du programme de gratuité de la maternité intervient juste après la visite du coordonnateur Polydor Kabila au hôpital de Kinshasa. Rendons-nous dans la province du Maniema où le vice-gouverneur a pris une part active à un culte dominical organisé à l'église kimbangiste. Le vice-gouverneur du Maniema,
Cathy Samba Makoboul-Corneille, prend part au rite dominical de ce dimanche 14 juillet 2024 à la paroisse de Kimangi Solokele de Kindu. La prédication du révérend Douza Faraï, prêtre paroissial du centre, a précédé le mot de l'autorité provinciale. La prédication tirée du psaume, chapitre 78, versets 1 jusqu'à 6, et Apocalypse, chapitre 21, versets 2 jusqu'à 8, l'homme de Dieu a exhorté fidèle d'abandonner le gouverneur. Dans son axe, a invité les chrétiens kimbanguistes à lutter contre la corruption afin d'emboîter la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de défendre l'intégrité territoriale. Vous conviendrez avec moi que nous sommes agressés par les Rwandais, et c'est ça que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, avec nous, nouvellement élus, nous allons seulement entrer sur la même vision-là. De Simon Kimbangu était en train de défendre l'intégrité territoriale. Nous devons éviter les grégaires dans les nous. Cela ne va pas nous avancer. La période de grégaires s'est déjà révolue. Nous devons suivre la vision des chefs de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, et la vision de Maman Fifi Masuka au Lualaba. Vous voyez même l'action qui se passe au Lualaba. C'est ce que nous aussi, avec mon titulaire, Moussa Kampoubi, nous devons d'abord faire comme ça, comme ce qui se passe au Lualaba. Et dans la province du Kasaï, une messe d'action des grâces pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo a été organisée en la paroisse Saint-Antoine des Clés. Un reportage de notre confrère Claire Kalombo Abatanda de la RTNC Tshikapa. C'est par deux chants de louanges et danse qu'a débuté ce dimanche 14 juillet 2024 à Tshikapa cette grande messe d'action de grâce organisée ce jour dans la cour de la paroisse Saint-Antoine. Situé dans la commune de Mabondo, a comme objectif implorer la grâce de Dieu pour que la paix revienne à l'est de notre pays. Le gouverneur de province du Kasaï, Maître Crispin Mukendi-Bouassa, s'est fait accompagner en ces lieux saints de membres du Conseil provincial de sécurité, les députés provinciaux ainsi que les fidèles catholiques de ces paroisses et d'autres venus d'ailleurs. L'abbé curé Léon Kalamba Ntsumbu a demandé aux élus de Dieu d'avoir la miséricorde, l'humilité ainsi que l'amour du prochain. Dans ce monde des circonstances, Ben Dubois Kanyinda, député provincial, qui demandait cette messe, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne recule devant aucun risque pour que la paix revienne dans notre pays. Au président de la République, Fati Beton, a élevé et désigné fils du Kassai, citons, au rang du ministre national, tel est l'objet et un honneur pour moi de pouvoir organiser la dite messe d'action de grâce. Maître Boukassa, qui s'est adressé également à la population, a demandé aux uns et aux autres une franche collaboration et l'amour pour booster le développement provinces du Kassai qui peine à décoller. C'est le journal, madame, messieurs. Merci à vous d'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h avec Suzy Ngoy Tshibui. Au revoir.